YouTubeur problématique. On en parle, Astérion, c'est quand même un mec qui est quand même très bizarre, il a beaucoup de casseroles sur le dos, c'est une merde. Bon, pour résumer, c'est un mec qui aime les jeux vidéo et qui est un connard. Bon, voilà, c'est son principe de vie, c'est sa tagline de vie, bravo à lui. Mais voilà, et donc du coup, il a commencé à dire, oui, je déteste la cancel culture, hein, n'oublions pas, la cancel culture ne cancel personne. Et en fait, il est pas content, pourquoi? Parce que dans le nouveau Tomb Raider, la meuf, elle a des petits seins. Alors ça, ça l'énerve, Astérion. Ça, c'est rien parce que normalement, il se branlait dessus sur le jeu, en jouant aux jeux vidéo. C'est difficile hein, de se branler et jouer aux jeux vidéo en même temps. Hein. Mais voilà. Et donc là, il est dégoûté. Il a le seum, le pauvre Astérion. Franchement, c'est pas facile, la vie. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent dans le monde entier, mais on peut pas se branler sur du jeu vidéo. On peut plus. Qu'il y ait des petits ou des gros seins, on s'en fout, en fait. Parce que le plus important, c'est le jeu, déjà. Et puis surtout, c'est une vision du réalisateur. Donc, le réalisateur du jeu, la nouvelle version, il a mis des petits seins, il fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin, à un moment, voilà. Et peut-être que si les gens n'étaient pas aussi obsédés que ça, on aurait peut-être laissé les seins. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là, ça y est, à qui ils étaient. Ça y est, dans le chat, tout le monde est d'accord, ils veulent tous les gros seins. Les gros seins, les guns et des puceaux, c'est ça qu'on veut. Et tronche de cake, il met un point intéressant dans le chat, parce que tu peux me suivre aussi sur Twitch. C'est que. Quand tu fais de la varap, c'est quand même plus facile de faire de la varap avec des petits seins qu'avec des gros seins. Imagine dans la réalité, si une meuf fait de la varap comme Tomb Raider, elle n'a pas des énormes chouches, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le truc. Après, je pense qu'Astérion est assez malin. Enfin, je sais pas s'il est malin parce que quand tu l'entends parler, tu vois que c'est une merde, mais tu te dis juste, en fait, le mec, il fait ça un peu pour le buzz aussi. Parce qu'au final, pourquoi tu t'énerves pour ça? Tu vois, à part les mecs sur Nine Gag où c'est tous des nazis, tu vois, enfin voilà, tu t'énerves pas pour ça, quoi. Tu vois, je sais pas qui peut s'énerver pour ça vraiment dans la vraie vie, tu vois. C'est un truc de ouf. En tout cas, Astérion, on va dire oui, c'est une merde. Oui, on peut le dire, oui, on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire, c'est un con. Oui, on peut le dire que c'est un con, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que vraiment réfléchissez à ceux qui ont la même take que ce mec-là? Est-ce que ça pose pas des questions sur toi-même?